Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 22. Et dans cet épisode, je vais vous parler d'un groupe un peu spécial. C'est simple, prenez une dose de Dead Can Dance, une autre de Black Metal, secouez bien ensemble, et vous obtiendrez Heilung. Heilung, donc je dois la connaissance à mon collègue blogueur Stéphane Gallet, alias alias. Voilà. Il en a parlé le 8 août. Et voilà, il expliquait que c'était un groupe, on peut le qualifier de scandinavo-allemand. Et c'est vraiment un omni, objet musical non identifié. Et c'est de la bonne. Bon, je vous renvoie à son article que vous trouvez dans le descriptif. C'est vraiment. Ça, la musique qui vous prend aux tripes, c'est une expérience presque spirituelle. Si vous êtes déjà allé à un concert de Dead Can Dance, comme c'est mon cas, vous savez que ce n'est pas un concert comme un autre, c'est une expérience presque mystique. C'est vraiment, ça vous prend aux tripes et vous ressortez lessivé. Bref. Voilà, donc là, il y a tous les détails. Si vous voulez écouter Heilung en live, je vous conseille celui-là, ce live complet. C'est du bizarre, mais c'est de la bonne. Et bien sûr, comme vous le savez, je suis un grand collectionneur. Merci Stéphane! Donc, j'ai craqué et je me suis pris l'album studio, Ofnir. Voilà. Que je vous montre rapidement. Et l'album live, Lifa. D'ailleurs, l'album, c'est comme nombre de groupes, Heilung s'exprime mieux, ça donne mieux en live qu'en studio. Mais c'est pourtant les deux très très bon. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est du spécial, mais c'est tellement bon. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao!